Business Protocol. Viens t'asseoir s'il te plaît. Ok, comment tu t'appelles? Je m'appelle Lindsay. Waouh, joli prénom. Merci madame. Tu vis avec qui? Ma tante. Tu vis dans ce quartier? Non madame. Tu vis où? Je reste à Colbisson. Mais c'est bon. Tu as les enfants? Non madame, je n'ai pas d'enfants. Ok. Moi je veux quelqu'un qui va pouvoir travailler 4 jours par semaine. Il n'y a pas de souci, je vais le faire. Et le salaire de base, c'est 20 000. On peut pas augmenter, madame. 4 jours par semaine, je pense que c'est très raisonnable, non, ma chérie. Ok, madame, on le fait avec. Yeah! Ok, ça tombe bien comme tu arrives là. J'espère que tu vas pouvoir commencer maintenant. Il n'y a pas de problème, madame. Okay. Cependant, j'ai une seule condition dans ce travail. Le voisin qui habite de l'autre côté là, il s'appelle Joël Lafleur. Je ne veux pas de contact avec lui. Est-ce que tu me saisis? Oui, madame. Même pas de bonjour. Ok? Oui, madame. Ok. Je suis en train de m'apprêter pour aller au travail. Donc, viens, je vais te montrer la cuisine. D'accord. Oxygène. Je t'ai lu. Lis encore quoi? J'avais moi dit l'affaire ici. Que quoi? Pourquoi est-ce que tu es en train de guetter la petite fille ici comme ça? Tu n'as pas honte? Une petite fille comme ça, une petite pisseuse au lit, qui ne sait même pas encore compter son cycle menstruel. Oxygène, tu la guettes jusqu'à tes yeux peuvent caler au sol. Hop da! C'est la fille que tu appelles enfant. On vend le soutien de l'enfant au marché. Comme il y a. Oxygène. Donc, je ne me suis pas trompée. De toutes les façons, je regardais si elle pouvait bien travailler. Elle ne me plaît même pas. Ah bon? Il n'y a que toi qui me plaît. C'est ce qu'on va voir. Je t'ai dit que j'étais à l'œil. C'est qui? C'est moi, voisine. C'est quoi? Voisine, je voulais le sel. Tu peux gagner.
garder la boîte. Ah, ok. Merci, voisine. Oxygène, j'étais à l'œil. Lindsay! Oui, madame. Je vais au travail. D'accord, madame. Par exemple, quand tu vas finir de nettoyer là, tu me fais le fond là. Il n'y a pas de problème, madame. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Oxygène. Oui. Tout à l'heure. C'est qui? Tu veux quoi? Non, je suis juste venu me mettre. Et tu guettais quoi chez moi? Non, ça va, ça va. Lindsay. Oui, patron. Facile. Quand je t'appelle, tu ne dois pas dire oui, patron. Tu dis oui, chérie. Non, je peux pas dire ça. Et ça ne dérange pas. Vous êtes le mari de ma patronne et je peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça comment? Moi, je vais augmenter ton salaire. C'est elle qui m'a embauché, je peux pas faire ça. Écoute, Lindsay, écoute très bien. Je m'appelle Oxygène le beau gosse, le plus beau de sa génération. Je vais augmenter ton salaire si tu acceptes mes conditions. Non, je veux pas, je préfère rester à l'aise. Alors que j'ai un agent que je cherche. Non, je préfère avoir un agent honnête, je veux pas un agent comme ça. Donc tu veux pas qu'on augmente ton salaire? Non, je préfère rester à 20 000. Je veux pas qu'on augmente mon salaire. Donc si j'augmente à 50 000, tu ne veux pas? Non, je veux pas, merci. Viens t'asseoir ici. Non, je peux pas faire ça. Écoute, on va te faire ça. Non, je peux pas faire ça. Fils, toi ou toi, tu vas me donner. Peu importe ce que tu fais. Descends dans la même maison. Tu vas me donner ça tôt ou tard. Je m'appelle Joël Lafleur, le bonbon alcoolisé de toutes les belles filles du quartier. Et toi, ma beauté, comment je t'appelle? Moi, je m'appelle Lindsay. Bon? Oui, oui. Tu es vraiment ravissante. Merci. Mais pourquoi on vous appelle le bonbon alcoolisé de toutes les filles de ce quartier? Oh, chérie, c'est justement parce que toutes les belles jolies filles du quartier courent après moi. Oui. Waouh, c'est surprenant. Ma patronne a demandé qu'elle me méfie de vous. Comment ça? Bon? Oui? Ne t'inquiète pas. Si ta patronne t'a demandé de te méfier de moi, c'est juste hein, parce que elle ne veut pas que tu goûtes ce qu'elle n'a pas pu goûter. Ta patronne me drague depuis. Ah bon? Oui? C'est parce qu'elle te drague qu'elle m'a dit tout ça. Effectivement, tu as compris. Ça alors. Je t'ai dit, elle me drague depuis, c'est moi qui refuse. Je t'ai dit une vérité. Tu me suis non? Oui. Moi, c'est Joël Lafleur. Avec moi, non? Pas d'embrouille. Tu me suis? Okay. Pas d'embrouille. Donc, mets-toi à l'aise, ma chérie. Ne fais pas l'erreur d'écouter ta patronne. Sinon, tu vas rater beaucoup de choses. Ça alors? Je te dis, tu es un fruit bien mûr. Alors, viens, je vais te faire visiter mon palais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je t'ai fait quoi? J'avais moi dit l'affaire ici. Je t'ai vu venir, Joël, je t'ai lu. Oh madame, pas comme ça. Même pas deux jours de travail. Mais c'est quoi sa manière? Tu n'as pas honte? C'est la matière que je vais sortir sur toi. Cherche-moi bien.
Je l'ai trouvé en train de parler avec Joël et elle était sur le point d'entrer dans sa maison. Merde. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi quand je t'ai embauché ici? Hein? Et tu fais quoi chez lui? Tu es venu ici travailler, non? Et tu fais quoi chez le voisin Joël? Hein? Tu veux que je te renvoie? C'est la dernière fois. Est-ce que tu me saisis? C'est la dernière fois. Je ne veux pas les problèmes, ok? Oxygène, parle-lui. Tu es venu ici là pour travailler, ce n'est pas pour visiter les hommes. Tu es ici pour ton travail, d'accord? D'accord, monsieur. Hey, comment est-ce que tu refuses pour aller voir le native, mon voisin là? Je t'ai dit que je m'appelle Oxygène le beau gosse, le plus beau de sa génération. Donc tu préfères le voyou, mon voisin là, par rapport à moi? Il dit qu'il devait demander ton salaire si tu acceptes mes conditions, non? Tu as préféré le voyou là qui n'a rien qui pour apporter les maladies partout là pour venir te donner. Que quoi? Oxygène! Yeah! Attends un peu! Oxygène, viens ici! Viens ici! Attends que je t'arrive à Coucou, salut, c'est Oxygène le beau gosse, le plus beau de sa génération. Pour commencer, clique ici pour t'abonner. Si tu veux regarder tous les épisodes du beau gosse de Laetitia, clique ici. Avec le soutien de Hôtel Adora Palace. L'Hôtel Adora Palace est situé à Yaoundé, au carrefour Kouaba, à 200 mètres après la gendarmerie.